si je puis dire, l'affaire va se cristalliser au moment de la crise autrichienne, mais aussi après les élections de 2004, mmh. puisque vous quittez à ce moment-là le PPE et vous rejoignez le Parti démocrate européen, le PDE, qui vient d'être créé par François Bayrou, précisément, et par Francesco Rutelli pour l'Italie. Quelles étaient, selon vous, la part des raisons de politique intérieure, de politique nationale, et d'autre part, la, la part de convictions européennes dans cette décision de faire scission en quelque sorte et de créer une nouvelle structure C'est une question difficile. Sonder les, en profondeur les, les reins et les cœurs euh, n'appartient qu'à Dieu. Donc on ne peut faire que des, que des conjectures. Euh, je pense que... Il faut être clair, les deux motivations ont joué. Il y a eu des motivations d'ordre national, il y a eu des motivations d'ordre, je dirais, européen, d'engagement européen, et il y a eu des, des motivations strictement politiques. Les motivations nationales. Il est clair que depuis un certain moment, François Bayrou se sentait très mal. Il était à l'époque, il ne faut pas l'oublier, membre du groupe. Se sentait très mal de cohabiter dans le même groupe avec les, les amis de M. Sarkozy, avec l'UMP, et les positions prises par un certain nombre des membres de cette UMP qui ne correspondent pas particulièrement à ce que lui pense et veut. Donc le malaise était réel. Il y avait euh, un véritable embarras national de se trouver sur le, dans le même groupe politique au Parlement européen que certains de l'UMP. Mais il y avait aussi un, un, un véritable problème européen. N'oubliez pas qu'il s'est passé à ce moment-là deux choses qui nous ont marqués terriblement. Et, euh, et moi, c'est l'essentiel de mes motivations. Je n'avais pas la première partie des motivations de, de François Maillot. Il y a deux choses qui nous ont et qui nous ont meurtris profondément. La première, c'est que sans véritablement le dire à personne, la direction du groupe PP au Parlement européen a négocié en secret avec les conservateurs britanniques un élargissement de leur zone d'autonomie qui se traduit à la fois sur le plan financier, sur le plan du personnel qui est mis à leur disposition et qui relève exclusivement de leur autorité, qui n'a plus rien à voir avec le personnel du groupe, mais pire, qu'ils ont le droit publiquement, ce qui ne leur avait jamais été reconnu jusqu'à ce moment-là, dans les enceintes du Parlement européen, d'exprimer ouvertement leurs convictions, qui sont à la fois eurosceptiques contre l'euro et contre le projet. De constitution européenne dont nous sommes les plus, les plus fervents et les plus ardents défenseurs. Donc mais, no, notre réaction, dire mais vous allez aller jusqu'où au PPE pour être le plus fort Apprendre des gens dans votre groupe qui défendent des idées exactement opposées à celles qui ont fondé votre naissance et qui justifient votre existence et votre crédibilité européenne. Ça, nous ne pouvons pas le tolérer. Et donc nous n'avons pas créé le parti. Démocrate européen en Stummenings après les élections. Nous avons annoncé au groupe du PPE, je me souviens dramatiquement des moments dans lesquels j'aimais beaucoup ce groupe, euh, dans lesquels j'ai annoncé si vous faites ça, nous ne pourrons pas rester. Et nous serons un certain nombre à partir. Et, et troisièmement, il y avait, me semble-t-il, certaines raisons politiques que je peux expliquer de la manière suivante c'est que le, le groupe de François Bayrou, ce n'était pas des raisons nationales, c'était vraiment des raisons politiques. Le groupe de François Bayrou était encapsulé, si vous voulez, dans la délégation française du PPE. Donc tous les postes de responsabilité à l'intérieur du PPE étaient dévolus pour l'essentiel aux gens de la partie la plus importante de la délégation française, c'est-à-dire la délégation UMP. Et les amis de François Bayrou n'avaient que des miettes. Tandis que la négociation dans un autre groupe a permis euh, au groupe... Euh, du modem, qui était à l'époque le groupe de l'UDF, de devenir une des véritables composantes d'un nou nouveau groupe, d'avoir des vice-présidents à lui et d'avoir des présidents de commission et un véritable poids structurel à l'intérieur du groupe politique. Et avec l'expérience, le bil quel bilan tirez-vous de cette expérience de, 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 du Parti démocrate européen Écoutez, je vais vous dire la première chose d'abord euh, que je dois dire, euh, c'est que je pense que nous avions raison puisque nous avons dit tout ce que vous êtes occupés à faire en plus, ça ne servira à rien parce qu'il arrivera un moment dans lequel ils vont être tellement, les conservateurs britanniques en particulier, tellement travaillés par leur euroscepticisme qu'ils ne pourront pas rester, ou que le prix qu'il vous faudra payer pour les garder deviendra à ce point intolérable que vous-même vous aurez envie de les mettre dehors. Donc faites l'économie de tout ça. Ils n'ont pas fait l'économie. Résultat des courses, c'est que les conservateurs britanniques sont quand même partis, et qu'ils fondent un groupe politique actuellement dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne rassemblent pas les éléments les plus moteurs de la construction européenne, ni les plus créateurs, euh, je dirais, de, de bonne gouvernance européenne. Donc, je regrette que le PPE ait fait ça. Je pouvais cohabiter avec certains conservateurs britanniques à l'intérieur du groupe. Il y en avait de remarquables. Donc, j'ai des amis personnels dans le groupe, de grands professionnels de l'action parlementaire, et qui avaient une conviction européenne beaucoup plus affirmée que leur groupe ne le leur permettait de l'exprimer. Donc, il y avait des gens remarquables. Mais à partir du moment où la direction du parti a décidé de prendre cette voie euh, anti-européenne, parce que ce n'était pas moins qu'une voie anti-européenne. Il ne faut pas oublier que Cameroun faisait campagne sur le fait qu'il y aurait un référendum pour savoir si la Grande-Bretagne resterait dans l'Union européenne. Il allait soumettre le traité à un référendum populaire. Je n'ai jamais compris comment le PPE avait pu avaler cette couleuvre-là. Et donc je regrette, parce qu'il me semble que ce qui s'est passé n'était pas inévitable. Euh et que reste-t-il aujourd'hui de cette ambition du Parti démocrate européen Le Parti démocrate européen, il faut être franc. Il euh, euh, faut distinguer d'abord le groupe libéral démocrate euh, au Parlement européen et le parti. Le grou groupe libéral démocrate dont j'ai siégé pendant la dernière législature suite aux événements dont nous venons de parler, est un, par est un parti qui est, avec Graham Watson et maintenant avec Guy Verhofstadt, et bien, bien dirigé, qui travaille bien, qui est performant, avec des gens de qualité, avec une très grande liberté de ton, beaucoup plus grande qu'à l'intérieur du PPE. Pourquoi Parce qu'on est moins nombreux d'abord. Donc on peut parler, des réunions de groupe ont un sens, puisqu'on est moins de 100. Quand vous êtes 300 dans un groupe politique, on ne sait pas organiser un débat, euh, surtout si vous voulez respecter les délais des, des contraintes parlementaires. Euh, donc je pense que j'ai été très heureux dans le groupe. Euh, tout en gardant d'ailleurs mes liens personnels euh, avec la plupart de mes collègues euh, du Parti populaire européen. Mais j'étais très content de travailler dans le groupe, parce que c'était vraiment un bon groupe. Le Parti démocrate européen a une existence plus problématique, disons. Euh, les, les deux pierres angulaires de ce mouvement, il y a des formations politiques qui viennent de divers pays. Euh, qui viennent du Pays basque, qui viennent de Pologne, qui viennent de Slovaquie, euh, qui viennent de Tchéquie, qui viennent de Chypre, euh, enfin je ne vais pas les mentionner toutes. Donc on respecte tous les critères qui permettent d'être un parti politique euh, existant au niveau européen, réellement existant au niveau européen. Mais pour l'instant il est, il est en, à, dans un état assez problématique, je dirais pour deux raisons. La première c'est que Francesco Rutelli a des difficultés à trouver ses marques en Italie. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il bénéficie d'un grand soutien populaire. Il a été euh, objectivement le fondateur de la Margarita, qui était une expérience qui a réussi. Il s'aborde de la Margarita pour entrer dans le Parti démocrate italien qui se révèle être un échec. Et il quitte le Parti démocrate italien pour créer maintenant Allianza per l'Italia, euh, dont le résultat aux élections régionales n'a pas été spectaculaire. Et tout le monde doit bien reconnaître que les dernières élections qui ont eu lieu en France n'ont pas été particulièrement profitables au MoDem. Donc, euh, du fait que les, les deux piliers centraux du Parti démocrate sont dans cet embarras, le Parti démocrate, pour l'instant, vit une période très, très difficile, oui.